André, dis-nous les numéros cardinaux des 1 à 10, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, André. Et maintenant, voyons qui s'est compté des 11 avant. Dis, Alice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo, Alice. Allons un peu plus loin et rappelons-nous comment sont formés les numéros de 20 à 100. Qui sait nous dire? Dis, Michel, s'il te plaît. Les numéros cardinaux de 20 à 100 sont formés tels qu'ils suivent. Les numéros cardinaux de 20 à 100 ont des formes simples: 20, 30, 40, 50, 60, 100, et composés, soit par addition, 22, soit par multiplication, 80, soit par addition et multiplication à la fois, 81. Les unités ajoutées aux dizaines vont de 1 à 9, sauf avec 60 et 80, où les unités vont de 1 à 19, 73. On met en trait d'union entre les éléments qui sont longs et l'autre inférieur à 100, sauf s'ils sont joints par et, qui remplace alors le trait d'union. 79 mais 21. La conjonction et s'emploie pour joindre en aux dizaines, sauf 81 et dans 71. Je te félicite, Michel. Et pour conclure, récapitulons les numéros ordinaux des 1 à 10. Qui peut nous aider? Oui, Félicie, écoutons.